Hey yo les gens, c'est Holy Shift, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, moi, ça va super. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour le premier épisode de mon let's play sur les Simpsons le jeu. Un petit jeu rétro qui date de 2007, qui est sorti en Europe en 2007 sur... Là, je joue à la version DS, parce que c'est la seule version que j'ai la possibilité de record. Donc voilà, c'est les Simpsons, vous connaissez, c'est une série américaine avec une famille tout à fait normale. Non, pas du tout, je déconne. Donc voilà, c'est un jeu développé par Electronic Arts et par Griptonic Games, exclusivement sur DS, édité et développé par Electronic Arts. Donc voilà, en gros, je vais vous expliquer vite fait au fur et à mesure quel est le but du jeu et comment se déroule le jeu. Donc, on va faire une nouvelle partie. Alors juste pour la présentation du jeu, le petit easter egg. Voilà, si je tourne les boutons de la première, les premiers boutons de la télé, ça change leur expression. Et le deuxième bouton, c'est pour changer l'écran de la télé. On s'en fout complètement. Allez, c'est parti, nouvelle partie. Hop. Donc voilà, là, on se retrouve dans la maison de Homer. Voilà, hop. On lui donne du chocolat. Et là, surprise, il s'endort. Voilà. Très chic, le Homer. Il est classe. Donc voilà, on commence comme ça, genre... peut-être monter un tout petit peu le son du jeu. Oui, c'est bon. Alors là, vous voyez que Homer, il est dans un rêve et tout. Alors, vu que c'est une version DS, l'écran du bas se situe à droite et l'écran du haut se situe à gauche. Et là, on va affronter des lapins dans Chocolat Land. Attends, comment il appelle ça? Fudge Town. Tu veux dire quoi, Fudge, déjà? Genre, je me rappelle plus. Donc moi, je connais un peu le jeu, donc je lis pas forcément ce qu'il y a écrit sur l'écran de gauche. En gros, les capsules qu'on vient de trouver. Moi aussi, j'aimerais bien passer mes vacances ici, Homer, je te le cache pas. Ah, tu m'étonnes. Bon, les personnages, ils font plein de commentaires, donc vous avez vu genre sa tête dépasser sur l'écran de gauche. On a même des points de contrôle et tout. Donc les capsules de bière, là, les capsules de bière d'œuf, il va devoir les collecter pour débloquer des choses. Regardez ce que c'est. J'ai pas le temps pour vous, messieurs. Si, juste vous deux. Et nous, là, notre but, ça va être de rattraper le lapin au chocolat blanc. Donc là... Ah oui, de temps en temps, il y a des apparitions du genre de BD. Genre débloquer les clichés de jeux vidéo comme double saut. Hop, changement d'écran, attention. Faut pas que je me laisse perturber par ça. Adieu, petit cœur. Et hop, je sais que là... Ah bah non, mon pote, mais t'es bien gâté, je te raconte pas. Hop. Voilà, on bondit sur les marshmallows, on est au calme. Oula, il y a eu un petit bug d'écran. C'est un commentaire. Bon, des fois, je vais m'arrêter de parler parce que des fois, genre, les personnages, genre Homer ou les lapins ou les autres personnages qu'on verra dans le jeu, ils disent des trucs marrants des fois. Donc, je vais pas tout le temps parler, je vais laisser place à leur discussion. Donc là, on va se servir de ça plus tard pour avoir cette capsule. Oh, j'en ai une, on sait rien qu'en ce temps. Mais c'est trop utile, lapin, merci. Donc voilà, on va affronter le dieu chocolat blanc. Putain, j'ai pris 0 dégâts. Je suis en fou. Voilà, mes cœurs ne servent à rien pour l'instant. Donc voilà, la bouteille d'hélium qu'on avait vue, on va la débloquer ça un peu plus tard. Et ça permettra à Homer de voler. Donc là, attention, Street Fighter. Lapin chocolat blanc vs Homer Simpson. Ah, on n'a pas eu le chocolat. Alors, hop, pour accélérer, hop, on appuie sur le petit bouton Y. Donc oui, vous voyez les boutons apparaître légèrement transparents. Je pourrais totalement les masquer, mais après, je verrai absolument pas où je tape avec mes doigts. Et c'est pas du tout cool. Hop, on a eu la capsule. Oula, on les défonce tous. Hein. Comment il peut être triste? T'es triste parce que t'es gros, parce que t'as plein de chocolat. Bon, je le dis tout de suite, je parle quasiment jamais pendant... Je vais essayer de pas parler pendant les cinématiques. Donc voilà, là, on a 7 capsules sur 12, qui est un peu plus de la moitié. Voilà, on pourrait fermer, mais de toute façon, on avait un moment où on pouvait pas accéder à certaines capsules, puisqu'il nous fallait débloquer l'hélium. Donc voilà, un cliché sur 27, enfin, il y en a 27 en tout, pas 27 dans ce niveau. On n'est pas ouf non plus.
On a débloqué les objets rasoir et mousse à raser de Homer. Voilà. Donc là, par exemple, on lui donne un hot dog. Il est content. On lui donne un brocoli. J'ai une tête à manger ça, Lisa. Ah, parce qu'en plus, il me prend pour Lisa. D'accord, parfaitement. Hop. Et là, zut, 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 zut. On le rase complètement. Voilà, pour tous ceux qui voulaient savoir à quoi ressemblait Homer sans barbe, vous le savez. Mais c'est pas ça le jeu, bien sûr, je vous rassure tout de suite. On va se casser dès là tout de suite. Et hop, on va continuer l'histoire, donc là on a accès à la map de Springfield. Par exemple, je sais que sur les versions Wii Xbox, non, surtout Xbox, on a accès à la ville complète de Springfield. Enfin, on peut, mettre, genre, on peut avoir le perso se balader et tout, là, donc... Là, par exemple, on peut rejouer le niveau du chocolat. La maison, c'est pour avoir Homer. Et là, on va aller au musée d'histoire naturelle. Et nouvelle cinématique dans 3, 2, 1, c'est parti. Bart, qu'est-ce que tu fais près d'un magasin de jeux vidéo? Oh, t'as acheté un jeu? Oh, j'ai entendu parler de ce jeu. C'est le jeu où on incarne un méchant délinquant qui doit tuer d'autres jeunes délinquants. Je vais ranger ce jeu dans le tiroir où ton père met ses magazines de bikini et où sont cachés tes jouets confisqués. Super, maintenant je peux plus jouer à rien à part au jeu que j'ai acheté hier, mais j'en ai déjà marre. Les Simpsons le jeu? C'est bizarre. Le seul Les Simpsons le jeu que je connais, c'est celui où on fait semblant de croire que Ben n'est pas alcoolique. Alors c'est quoi ce truc? Attends une seconde. C'est le manuel d'un jeu qui se passe à Springfield. Et pas étonnant. Wow, maman aussi. Il y a même Lisa qui voudrait la prendre comme perso. Wow, je suis dans le jeu. Je me demande ce que je suis capable de faire. Sauter, flotter, et moi j'y vais. Wow, c'est le meilleur bouquin qu'on ait jamais écrit. Regarde qui vient d'atterrir dans mon tiroir magique. Hey, qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Si tu veux rentrer à la maison comme ça, c'est pas la peine. Bah, je suis un super. J'ai plein de pouvoirs géniaux. Des super pouvoirs? C'est une bonne chose, je suppose. Je voulais aller enquiquiner des jeux de souris et mater des magazines de bikini dans cette cave. Tu veux venir? Donc voilà, là on se retrouve sous le musée, dans les égouts en gros. Donc voilà, à quoi ressemblent les égouts en Amérique. Tout à fait normal. Alors par exemple, là on peut pas changer de personnage, on est... forcément Bart par défaut, et là on voit que c'est que Homer qui peut se servir de ça. Donc là on peut grimper sur les murs et nous on doit collectionner les coupons Krusty, tandis que Homer doit collectionner les capsules d'œufs. Hop, Bart peut activer les manettes. Cette cave a vraiment changé ma vie. Bien, est-ce que c'est moi qui l'a trouvé? Bah, on s'en fout. Exactement, on s'en fout, Homer. C'est très intéressant. Homer ne peut activer que les boutons. C'est une capsule d'œuf, Homer. Tu veux que je t'explique le jeu, quoi? Alors là, on se retrouve dans le sous-sol du musée en train de tabasser les gardes. Alors, juste un truc, je te termine. Laisse-moi expliquer aux gens ce que c'est. Ça va servir pour Bart. C'est un lance-pierre avec qui balance des ampoules. Hop. Putain, ils m'ont mis midlife. Hop, le petit cœur. Là, ça régène. Enfin, ça régène pas de ouf, le cœur, mais ça va. En fait, par défaut, Bart peut attaquer au lance-pierre. Ah, là, je me sens comme un homme. En gros, vous voyez, la tête de Bart rebondit sur les seins de la meuf. Voilà, c'est tout à fait normal. Il y a des statues comme ça. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui seraient arrêtés devant et auraient admiré la chose. Ouais, par contre, la consigne, tu peux... voilà, tu peux dégager du personnage, s'il te plaît, merci. Alors là, je devrais atterrir au bon endroit. Mais non, il n'y a pas d'araignée, Homer. Oh, quel père excellent. C'est un très bon père, Homer, on le sait tous. Mais donc, je disais, par défaut, Bart, il envoie des pierres, mais ça fait moins de dégâts que les ampoules. Les ampoules, ça touchote les gardes, d'après mes souvenirs. Bordel de merde. Alors attendez, je vais laisser tous ces gardes à Bart, puisque là... Où sont mes manières? Laissez-moi vous présenter mon bâton. Tu le présenteras plus tard, là je joue Bart, mon pote. Oh, bien me battre contre les gars. Ah non, ça les trichote. De toute façon, je peux en avoir un limité, puisque les ennemis me drop. Mince, j'étais trop loin pour le toucher. Donc voilà, on a... Mince. Au gamin, c'est un vrai dur.
MDR, sacré Homer. Donc voilà, là je récupère ça et je sais qu'Homer il aura besoin de... Ah merde. Ah, je pourrais pas le récupérer tout de suite. Je vais froisser ma douce sensibilité. Mais genre t'es sensible. Bon, Kiko, oups, je l'ai shooté la tête sans faire exprès. Mon père m'emmène dans des bagarres. Ah mais moi je vais shooter la cible là-haut. S'il vous plaît messieurs les gardes, vous pouvez me laisser... Voilà. T'inquiète, c'est ouvert, c'est bon. En gros là, Bart vient de découvrir... Par rapport, je reviens juste à la cinématique. Oula, ah merde, j'ai oublié de récupérer ce qu'il me fallait. Bon, c'est pas grave. Bart vient de découvrir qu'il a les super pouvoirs, c'est-à-dire que en gros, vous en serez douté, c'est une parodie, une petite parodie de Batman, un petit clin d'œil comme ça. En gros, il a le grappin, il a le lance-pierre, mais bon, il a pas d'autres gadgets, il a pas la Batmobile. Mais non, non, il est pas flippant. Par contre, c'est la langue qui sort de ce truc qui est flippant. Genre un truc qui lit tout ce... Ouais bon, je vous l'accorde, il répète très souvent les mêmes répliques. Mais c'est ça qui est marrant. Putain. Alors, hop, le bouton, il est là. J'aime bien l'intervention du vendeur de BD qui n'a absolument rien à faire. Alors là, ah oui, le petit truc sympa, c'est qu'on peut flotter. Donc oui, je vous rappelle, faites attention au changement d'écran. Là, on va passer un peu aux choses sérieuses. C'est-à-dire que Batédolf, en gros, on va devoir le viser. Oh, mais je te perturbe déjà pas mal. T'inquiète. C'est déjà bien. C'est le but recherché. Donc en gros, là, il a éteint la lumière et nous, on doit viser les cibles. Oh putain, il m'a bien visé. Hop. J'espère que t'es pas en train de me suivre parce que moi, je te suis. Mais comment il arrive à me voir où je suis? Je comprends pas comment le Dolph, il arrive à voir où je suis alors qu'il a complètement éteint la lumière. Putain, c'est une blague. Et je parle pas d'une blague cochonne. C'est rigolo, une blague cochonne. Ça, c'est une blague minable. Oh là là, attention, ça clash. Ça clash sévère. Non, mais je me fais... Ah, je me fais tout shot à chaque fois. Enfin, je me fais toucher, pardon. C'est différent. Ah, j'ai plus d'ampoule, c'est embêtant. Je crois que là... Ah oui, il faut le buter encore une fois. Bim. Donc vous connaissez sûrement la bande de brutes, genre Dolph, Cornet et... Hop. Là, je vais complètement esquiver les gardes parce que... Fuck it. En gros là il faut attendre que Homer vienne nous ouvrir les portes en traversant les salles, voilà. En gros là-haut, vous avez mon point de vue en plus chiant et le point de vue d'Homer qui est assez intéressant puisqu'il se balade dans les grandes salles du musée. Voilà. Homer à l'époque ils étaient dégommés s'ils conquériaient pas le château. Et c'est marrant les gars. Oula. Alors attends, tu peux. Vite. C'est bon, je suis protégé des gardes. Alors là, c'est au tour de Cornet. Et après, il y aura Jimbo. Hop. C'est bon, faut le brûler. C'est pas une raison, mon gars. Oups. Mince. Par contre, c'est galère pour viser. Hop. Voilà. Je pense qu'une dernière fois, ça suffit. Oups. Oh merde, j'ai brûlé Homer. Il y a même Ralph. Et voilà. Et la dernière étape du musée. Alors. Hop. Voilà, je vais faire ça jusqu'à ce qu'il crève. Sinon, je peux pas passer. Donc là, on est dans la salle des planètes et tout. Oh, merci un cœur. Faut que j'atteigne juste le poids de contrôle parce que contre Jimbo, je vais prendre très très cher, vous verrez bien. C'est grave si je fais du stop. Mais non, c'est pas grave. Tu peux utiliser tout mon amour comme parachute. Ah mais on doute de ton amour, Homer, ça va pas suffire. Mince. Ils sont dans notre camp, mais on peut les miser aussi. Ah mais c'est toujours bon à viser les flics, hein. Ah ouais, par contre... Ah, je vais crever. Faut que je vise avant de... Ah, bon, moi, je dois tout retaper. Hop. Bon, ça commence plutôt bien. C'est
Au début, vous verrez, c'est facile. Après, ça va se corser. Là encore, c'est rien du tout, là. De toute façon, par exemple, si je loupe les coupons crustis, par exemple, là, j'en vois un qui flotte. Je la récupérerai, mais peut-être en off, je sais pas. Ça dépend si j'ai beaucoup à récupérer. Vous savez quoi? Oh! Le timing parfait. Ça aurait été encore mieux si j'atterrissais directement dessus, mais... Bon, les astéroïdes, c'est comme les bus. Des fois, faut les attendre longtemps avant qu'ils arrivent. Hop! Putain, mais j'arrive là-haut, je suis déjà... je prends déjà très cher. Enfin, j'ai réussi à esquiver, je sais pas comment j'ai fait. Oh non. Bon, j'espère que ça va pas durer trop longtemps non plus. C'est pour ça que j'aurais dû... En fait, je devrais attaquer les gardes techniques. Ah merde. What? Comment il a grimpé le soleil, lui? Il est très fort. Ce garde est très fort. Voilà. J'espère que je vais pas remonter 18 fois non plus. Normalement, je l'ai presque buté complètement. J'espère que... Hop. Voilà, hop, c'est bon. J'ai pas pris trop cher. Hop. Allez. Arrête de m'énerver avec tes vols planeux et tes tirs de fronde. Nous sommes juste des hommes de main. Skinner nous a engagés. Je suis pas Skinner. Ouais, c'est moi. Pardon, oui, non, c'est moi. Moi. La municipalité a tellement réduit notre budget pour les sciences que je me retrouve obligé d'aller voler des objets au musée. Le coccyx de ce dinosaure pourrait donner envie à toute une génération d'élèves de s'intéresser à la science. Mais je ne me fais plus d'illusions. Désolé, hein. On aurait pu arriver plus tôt, mais c'est à cause de ma fille. Il y a une Elton Avenue au nord et une autre au sud. Pas facile de trouver la bonne. Voilà une leçon à retenir, Skinner. Avouer un crime ne sert à rien. Bouclez-le, chef Wiggum. Je sais très bien que je dois boucler. C'est pas gentil de m'enguirlander pour ça. Donc voilà, là, bon, déjà la première question qui m'est venue, c'est comment Jimbo s'est retrouvé en haut du vaisseau spatial. De deux, pourquoi ce cliché sur les flics? Genre les flics, genre dit en mode victime quand Bart l'enguirlande. Franchement. Ah, c'est les Simpsons, c'est l'univers des Simpsons, ça c'est what the fuck, mais c'est vraiment excellent quand même. Alors, 6 capsules d'ol sur 9, 15 coupons crusty sur 18. Bon, c'est normal qu'il me manque des capsules d'œufs, on avait vu, on pouvait pas accéder au biberon d'hélium, avec marqué EA dessus, j'ai mis le placement de produit, non pas le placement de produit, non, la marque des développeurs tout simplement. Donc, nous avons manqué 3 trucs par perso. Et on a trouvé 2 clichés de jeux vidéo. On est bien pour l'instant, on avance bien, ça va. Alors là, la brasserie Dreyf. Est-ce que je m'arrête là ou j'ai encore du temps? Non, j'ai encore du temps. Je vais peut-être faire... peut-être pas en entier, mais au moins la moitié. Et surtout, souviens-toi, il ne faut pas mâcher. Mâcher, c'est pour les nuls. Trois balais direct, trois balais. J'espère gagner. L'année dernière, j'étais le premier à dégobiller. S'il te plaît, ne parle pas de vomi. Dans le métier, on appelle ça un incident à la romaine. Ah ouais, ça fait plus classe. Mais pourquoi que tu t'inquiètes? T'as des pouvoirs de jeux vidéo pour t'aider. C'est presque de la triche, mais... C'est de la triche. Wouhou, de la triche. Duffman vous souhaite la bienvenue au concours de bouffe suprême d'œuf. Je t'ai dit, mon futur triomphe à feu, ma mère bien-aimée. Elle a fait une attaque pendant un concours de bouffe de haggis. Oh, elle récupérera mes dignités. Grande faim, grande responsabilité. Messieurs, préparez votre appareil digestif. Avant Marc, prêt, pas frais. Bravo Marc, prêt. Donc voilà, là on se retrouve dans le fameux concours de bouffe. Parce que genre c'est pas tous les participants tous alignés derrière une table en train de manger. Non, c'est Homer qui se balade dans là-dedans. Et que là. Ah non, j'ai oublié une capsule. Oh le con. Bon, c'est pas grave, là. Ah la violence. Hop. Donc là, c'est plus d'une ampoule, c'est des bretzels. Les projectiles de Bart sont des bretzels. Et là, on reprend le personnage d'Homer, c'est parti. Est-ce que je pouvais aller là-haut? Non, je pouvais pas aller là-haut. Le vendeur de BD. Oh, il est gentil, le vendeur de BD, il nous aide à collecter des clichés. Là. Putain, il a une portée de ouf, le joueur de BD, comme il frappe.
Voilà, hop, ça va nous servir pour... Non, oh non, il est tellement gros, il arrive pas. Il bloque le plaque d'égout. Non, je l'aurai. Hop. Attendez. Ah non, fallait aller... Voilà, on les a tous dégommés en étant un gros porc. Ah voilà, j'avais pas vu. Oui, t'inquiète, Homer il va forcément gagner. Par contre, Bart. Ah merde. Ah merci, Otto, ça fait plaisir de nous encourager. Hop. Adieu le flic. Adieu, chef Wiggum. Comment je vais faire pour m'enfuir? Calme-toi, Homer. Mon intuition de Bartman me dit qu'il y a plein de nourriture dans cette pignatasse. Oh oui, j'ai une intuition de Bartman. Ah voilà, ça y est. Comme Batman. Bartman a des intuitions. Elles sont, ça s'avère être bonnes. Genre, on va viser les pignatas. Et bim, on va avoir toute la bouffe qu'on aura. Dont on aura besoin. Enfin, dont Homer aura besoin surtout. Ah oui, non, faut être genre juste à côté. Sinon, ça marche pas. Genre, ces plateformes-là, elles bloquent tout. Mince. Faut que j'aille quelque... Ah non, faut que j'aille de l'autre côté, je suis con, depuis tout à l'heure, je vais dans le mauvais sens. Hop. YOLO. Voilà, on se retrouve dans la petite maison. Donc là, on s'est baladé, par exemple, là, tout à l'heure, on a fait l'Allemagne, avec la bière, tout ça, les bretzels. Et là, hop, on est au Mexique avec les piñatas. Donc en fait, le tour du monde en 4 bouchées, je pense que... Vous connaissez le truc de la parodie du tour hein. Du monde en 80 jours de Jules Verne. Allez, petit point culture, c'est parti. Genre, le concours de bouffe, genre, ça, ils ont un thème. C'est le voyage entre les différents pays. J'adore manger autant que j'adore jouer du heavy metal. C'était quoi ce film? Ah oui, du coup, dans la piñata, il y aura toute la nourriture, je disais, c'est juste. En fait, je sais pas. En fait, je sais pas pourquoi ils cassaient les piñatas de base, mais ça devait être assez marrant. Ah oui, il y a un coupon crusty là-haut. J'ai les loupés. Et là, ça va nous aider à manger le tacos, el super taco, du premier coup, voilà. Et là, on est chez nous, les amis. On est en France, avec les donuts et les steaks qui traînent par terre. Hop. J'ai pas. Bah oui, je suis rond. Je suis plus rond que la lune elle-même. Mince, le donut, j'ai oublié le donut. Hop. Merci pour le petit tacle de Bart Simpson, ça fait plaisir. Ah oui, il dit gic les gens. Je crois que c'est la seule personne que je connaisse qui dit gic pour dire geek, franchement. Comme par hasard, les tremplins, c'est des jambes de grenouille. Allez, je crois que là... Je vais pas tenir. Je tiendrai pas. Ah, tu m'auras pas. Oups. Il va m'avoir. Faut juste que j'atteigne. Ah mince, il y avait ça aussi. C'est pas lui qui va me défoncer. Hein. Hop. Et je crois que là, on peut aller directement là-haut. Ah ouais, là, on a débloqué le Moulin Rouge. Il y a tout ce qui représente la France. Il y a les mines. Il y a les escargots, il y a les cuisses de grenouilles. Oh yeah! Ah là, on va aller en Écosse. Il y a le Moulin Rouge, il y a l'Arc de Triomphe, il y avait la Tour Eiffel, il y avait tout. Hop. Hop. Merci Bart. Ça s'appelle l'incultivation. Même moi, je fais exprès de parler pas français du tout. Pour montrer à quel point. Je respecte pas le manque de culture de Bart. Ah mince, je voulais avoir le truc crusty. Alors. En fait, comment je pouvais avoir ça? Comment je peux avoir le coupon? Je pense qu'il y a un autre truc. Je pense qu'il va y avoir un autre truc après. Non, c'est pas possible de l'avoir comme ça. Je sais pas, je verrai ça plus tard, un petit peu plus tard. Oh yeah. Allez, c'est parti. Compte, il a oublié ses lunettes de
pense que je vais me laisser mourir. Allez, Otto, tue-moi. Je t'autorise. Non, je m'y connais en mort, pourtant. Allez, hop. Ah oui, c'est vrai, il n'y a que Marthe qui avait la possibilité de monter sur ces jolies madames, pendant que Mère a le droit de mater les dessous des robes. Voilà. Ce jeu n'est pas du tout pervers. Moi non plus, d'ailleurs. Alors, là, on va passer aux choses sérieuses. Ah oui, c'est Écosse, mélange Écosse-Australie, là. Ouais, c'est deux pays réunis dans un même niveau. Hop. Hop. Je sais pas si vous avez remarqué, dans les plaques d'égout qu'on saute, c'est une jolie meuf de d'œuf, voilà. Une groupie de Duffman. Oula. Non, ce n'est pas normal, Duffman. Tu as trop geeké. Wall, non. Non, je vois pas d'autres possibilités, non, pas du tout. Ouais, je sais pas si vous voyez, genre sur l'écran de droite, je bondis sur des petits kangourous au bout de fourchette. Ah mince. Allez, je vais revenir de là où je venais à la base. Bah non. Je veux pas être un télo et être un gros nul à la fois. Ce n'est pas possible. Quand t'es un télo, t'as la puissance culturelle. T'es pas nul. C'est pas possible, Corné. Alors attention. Ah ah, la fin de Corné, il a cru. Il a cru qu'il allait pouvoir m'attraper. Donc, 3, 2, 1, fin de l'épisode 1. Et moi, je m'arrête là. Plus tard, la boulette de viande. Moi, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2 de mon let's play sur Les Simpsons, le jeu TS. Et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.